Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Metal Gear Solid 5 et on va pas tergiverser. Bon, il faut que je m'éloigne de ce truc vite. Quoique je sais pas si j'ai vraiment envie de mêler Koyat à ça. On va partir sur une config comme ça. C'est parti! Mission 31, Sarah Land Choppers.
Je pense que finalement je suis pas contre l'aide de Quiet. Je veux bien l'aide de Quiet. C'est du délire! C'est bon l'album. What? Il tire sur Quiet? Non, sur moi. Holy shit. Seulement ils sont pas très efficaces. De pute. Holy shit. Et merde. Oh non. Arrête d'ouvrir ta gueule et prends-toi un missile. Surtout focus-toi sur moi. Pas hein. Bah, ni sur l'hélico ni sur Quiet s'il te plaît. Ça joue pour Bicode. Excuse-moi, mais là. Cadeau! Prends-en soin! C'est une requête personnelle! Putain, oui, une requête! Requête! Je comprends pourquoi il avait la gueule du Rex. En fait, il ressemble bien au Rex, mais. Oh là, oh là, oh là, oh là. Pas méga agréable.
Non mais stop de faire des largages de soutien de merde. Je crois qu'il me colle le cul. Holy shit! Ça va exploser, c'est pas possible! Oui! Ou alors il va sauter dedans. Effectivement, c'est un peu explosé. Hé, hey, connard! C'est ça son point faible à ce bâtard. C'est les petits missiles qu'il a, c'est les petits tuyaux qu'il a derrière. Ou pas. Oh putain! Oh putain! C'est les mêmes rayons que le Rex! Oup! Excuse-moi. Tu peux être à la montagne? Si tu peux traverser la montagne! Aïe. J'ai pris un peu cher. Pourtant j'ai couru. Coyote, j'ai besoin de toi. Eh merde, j'ai manqué. Non, ne tourne pas comme ça. Je peux avouer que le lever du soleil, je n'ai pas grand chose à foutre vu la situation dans laquelle je suis. Lâche. Oh putain. Dernière. Eh merde. Ça va faire beaucoup de dégâts.
C'est quelle articulation qui semble la plus sensible? D'ailleurs, ça a l'air assez sensible. Ah, ça c'est chaud, ça brûle. Et il y en a à l'avant aussi. Je sais pas ce qu'il fout là, mais je le prends. Fous la peau à coyote, fils de pute! Eh merde, faut essayer de défendre l'hélico. Au sol, il s'en sort. Sans déconner. Boss, what happened? Boss! Ok. Bon. Please dispatch requested. Je suis sûr, les petits trucs derrière lui ont l'air d'être des trucs sensibles. Je suppose qu'il y a plein d'endroits sensibles sur ce machin. Mais à mon avis, la tête ne l'est pas. Merde. La boule. La boule dans MGS1, ça servait à guider ses je sais plus quoi. Ça servait à guider un truc. Et merde, et merde, et merde. Et merde.
Oh. Il a fait des dégâts ou pas? Cette poussière de merde, c'est pas cool. Espèce de cœur là, j'hallucine pas, attendez. Oh merde. Il me cherche. Je crois que j'ai capté le truc contre cette phase. Faut juste que je me cache. Et il compte tirer longtemps ce bâtard ? Il a continué un petit moment quand même. Laisse-moi aller chercher les balles s'il te plaît. Je suis en ligne droite. Oh.
C'est maintenant ou jamais pour me filer des balles. Hein. Oh, j'ai cassé un truc. Je sais pas ce qu'il fallait faire mais... Salut. Il se vénère un peu quand même. Je crois que tu as un flanc qui brûle, bro. Je l'ai détruit. Let's see Skullface.
three. Where's the other? Very close to you. Crève! Mission complete, boss. C'est Quiet. Development project has been added. C'est Quiet, celui qui est tout proche d'individu. Non, pas d'individu, mais c'est Quiet, le troisième. Le troisième échantillon, c'est Quiet, j'en suis sûr. Et le deuxième est parti dans les mains de l'autre bâtard de la revanche. Ah.
Anyone can give up his fight by laying down arms. But the feeling of holding a gun, that we'll never forget. Like our lost limbs, the sensation lingers. Here she comes! Here she comes! In missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours, and no one else's. The secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever, for our peace. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. Kaz. Pretentious to the end. Still, doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Ouais. Ouais. Grey Chameleon. Ok. Beating Tree Frog. Blazing Mastodont. On a compris, en fait, j'en ai un S+ par chaque partiel, c'est ça? Oui. Coming in chapter 2. I won't scatter your sorrow to the heartless sea. I won't see you in his ashes. You're all diamonds. This man acted as accomplice to the attack on Mother Base.
Why are you here? Revenge against the boss. I'm not like you! I think it is time you knew. I'll go alone. Boss, what are you... We can't afford to lose anyone else. What if she's a spy? What if I'm a spy? Or you? Kill her! Kill her! What should we do, boss? Just give the order. You are right. He is not one of us. Boss. Snake? Wow! La haine a l'air forte. La haine a l'air forte par ici, bordel de merde. Attention! Diamond Dogs! Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out. You will be my eyes. The deadliest enemy's right here in our midst. And they will get no mercy. Dead. Our pain is still right with us. We need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Okay. Et c'est quoi le trip? Parce que si... Je vais pas mentir, si le but du jeu là, c'est de refaire tout en difficulté, mais juste au-dessus, je vais faire ça en off, au Zef. Dire, il n'y a pas de... Je vais aller voir Paz. Please landing zone. Roger. This is the Quad. Arriving shortly at LZ. Faut dire si pour finir le jeu, c'est juste refaire les missions un peu dures. Bah j'ai fait ça en off, hein, venir. On en a rien à foutre, j'ai juste vous montré de l'histoire. Hein. Develops a new type of nuclear weapon and successfully deploys it in Afghanistan. Mm-hmm. Revealing the existence of Sahelanthropus results in a return to the glory days of the Cold War. The threat it poses reignites the nuclear arms race between the world's major powers. The demand for nuclear weapons increases around the globe. What if you then introduced a nuclear weapon anyone could get their hands on? Non-nuclear nations, militant groups of all shapes and sizes, they'd all jump at the chance. Sahelanthropus was a marketing tool to sell nukes all around the world. Un outil marketing. It's safe to say that plan was stamped out before it got up and running.
The world's intelligence agencies never did turn up anything conclusive on it. After all, Sahelanthropus vanished before word could spread. Everything that's happened is already a fading memory, never to join the pages of history. Except for Cypher. Cypher won't forget. Mm-hmm. They'll already be working on something, quietly, beneath the surface. They'll use the pieces of data scraped together from this incident to build their own bipedal weapon. It'll take them a long time to complete it, but for now, the Greed Sector have found their new life's work. We'll have to be ready too. Code Tucker, haven't seen you eat a single thing since you got here. Let me guess, photosynthesis? Oh? What makes you say that? Quiet. A long time ago, I knew someone with a similar ability. Hey, non, the end. You are correct. The end, you pouvez faire de la photosynthèse. I supply them with water, and in return, I receive sugars they produce when exposed to light. It isn't just my skin either. The parasites also act. C'est un parasite vivant, en fait. They have replaced many of my internal organs as well. It is thanks to them that I live on after over a century. How did you obtain them anyway? Through your research? I would like to say as much, but there is more to it than that. Let me take you back 20 years. I had hit a dead end with my parasite research. Mm-hmm. Then I was approached by a foundation. They said they had a sample of an unusual strain of parasite. Which foundation? Apparently. Avec l'ARPA, oui, oui. Je vous avouerai que ça, à la limite, je vous le raconterai. Snake? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu lisais? Thank you. You are always so kind to me, Snake. Calvez. Mais j'ai une photo de données, je crois. Oh merde, moi j'en ai pas. Come back again, okay, Snake? Juste une dernière test. Il me semblait que j'en avais une de photos à y montrer. Non. What? Ah non. D'accord. Il faut que j'aille sauver le MB6. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Metal Gear Solid 5. Je vous fais des bisous, je vous dis ciao les gens.